Dans émission anticausée à sous plateau Espérance TV et nous a rappelé que émission là qui a passé à sous Espérance FM le 91.6 mais aussi Radio Vimeo en Guadeloupe le 93.3 et m'en les profiter pour faire monsieur Yann un petit coucou pour dire bon courage et puis tchébé fort. En tout cas nous a salué tous les auditeurs, tous les téléspectateurs. Et nous avons dit, eh bien, nous avons passé un bon moment qu'à étudier parole. Bon Dieu. Et Gracien, bienvenue dans le plateau. Hein? Merci, merci, merci. Ça nous fait mon mal. Nous avons salué les autres bien bas. Et puis, ensemble, nous avons inspiré, nous avons passé un bon moment à l'étude parole. Bon Dieu, ça, c'est un plaisir pour moi de décortiquer parole là. Parce que c'est un an, c'est la vie, hein, c'est la respiration. Et puis, nous allons continuer par la grâce, mon Dieu. Oui, je vais profiter pour me saluer les aînés, ces grands mounants qui, là, ont installé Koyo à Danti Fauteuil, assis tranquillement, qui ont étudié, qui ont gardé l'émission. Et puis, bien d'autres, hein, nous allons dire bon courage, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en ailleurs, tout partout. Nous allons dire passez un bon moment. En tout cas, nous avons dit dans un grand thème qui est intéressant, passionnant, dans le quiz avec le Christ. Eh bien, je dis à nous parler de la chaleur extrême. Les mots et titres là, nous avons dit tout pour le soleil, Gracien. Nous prions pour commencer. Papa Dieu, nous avons dit merci pour l'occasion que nous avons ouvert la parole. C'est vraiment en source de bénédiction pour fortifier foi nous, éclairer vision nous, préparer un peuple qui a attendre Jésus qui pour virer tout à l'heure pour nous toutes là. Guidez-nous par le Saint-Esprit, convainc-nous et instruis-nous en nom Jésus. Amen. 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 Texte de base la Gracien, qu'a trouvé quoi en dit dans Ésaïe 53, verset 10. Ésaïe 53, verset 10. Ésaïe 53, verset 10, il a dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il s'agit du serviteur souffrant, et dit le prophète Ésaïe, prophète messianique, qui a dépend avant 400 années avant le serviteur souffrant vini. En sous la terre. En parlant de Jésus-Christ. Ésaïe, oui. Enfin, Jésus-Christ, le serviteur. Oui. Oui. Alors, en nous avancer. Abraham dans le creuset. Alors, là, nous avons lu Genèse 22. Et nous avons dit, mais nous ne pouvons pas comprendre. Tout à coup, bon Dieu a crié Abraham sans explication, sans bailler un plan à rien, et puis. Qu'a mandé de commettre l'irréparable. Aller offrir garçon en sacrifice. Et pour Abraham, pas tromper quoi, puisque puis pas faire un autre choix. Bon Dieu bien dit, le fils de la promesse, Isaac, celui que tu aimes. Alors, qui raison qui pousse bon Dieu demander Yishli Abraham d'y faire un tel sacrifice qui n'est pas recommandé par Dieu lui-même, dit dans la parole, et qui t'est qu'à prôner par les nations environnantes qui t'est qu'à faire les sacrifices humains, mais ça t'interdit pour ma peuple bon Dieu. Donc, quoi poser la question? Pour qui raison? Oui. Ah, c'est bon Dieu seulement qui peut avoir raison. Parce que moi, je ne suis pas bon Dieu. Moi, pas bon Dieu. Mais il y a des éléments qui sont parce que ça, c'est un des mondes qui est sérieux. On peut pas dire, moi, un homme à 99 l'année, maintenant, 100 ans qu'arrivé, un homme qui a travaillé, qui a lutté, 100 ans qu'arrivé pour un garçon, hein,
Et puis 20 ans après, bon Dieu a dit, mais allez, au fait garçon t'as là, alors que ça pas en plan bon Dieu, ça pas prévoit dans les commandements, mon Dieu interdit les sacrifices. Et bon Dieu a menti ça. Maintenant, l'un des éléments de réponse extraordinaire, nous a dit que c'est bon Dieu testé Abraham. Mm-hmm. Il mettait foi à l'œuvre, puis ouais. Vraiment s'il te remène. Oui, et en même balan, bon Dieu a montré que personne ne peut pas offrir juste un sacrifice pour satisfaire. Sauver, pour satisfaire et besoin de foi, mais c'est seulement en Dieu, 3 fois 5, qui peut faire ça. Oui. Seulement en Dieu qui fait ça. Or, le Dieu qui s'abandonne et nommé Dieu, ce sont des dieux sanguinaires qui ont demandé sacrifice, qui ont demandé bagaille pour satisfaire. Mais bon Dieu. Et alors donc, maintenant, Ellen White, qui est prophétesse de l'église là, quand nous en aperçu, puis nous avons lu ça, c'est moment là. Oui, rapidement. La demande de Dieu et le moment où il l'a formulé n'était pas le fruit du hasard. En effet, tout était calculé pour susciter la plus grande angoisse possible, car Dieu avait réservé la dernière, la suprême épreuve de sa vie pour le moment où courbé sous le poids des ans, c'est-à-dire Abraham, le patriarche, soupirait après le repos. Était-ce là une épreuve de la part d'un Dieu en colère? Pas du tout, car les sombres jours d'agonie qu'il traversa alors devraient l'aider à comprendre par son expérience personnelle la grandeur du sacrifice consenti par le Dieu infini en faveur de la rédemption de l'homme. Ouais. Alors là, nous quoi garder épreuve. T'as la grâce, c'est quand même un épreuve douloureuse. Qui terrible, terrible. Nous quoi demander que poids angoisse là qui était en l'air. Abraham. Nous quoi demander et les auditeurs et puis les téléspectateurs. Lis chapitre 22. Pour voir que pendant y a marché, m'a appelé ça la marche la plus dure dans la Bible. Oui. Et dit mon mère la garder. Mais papa, nous ni bois, nous ni diffé. Mais et Etianioa. Et là Abraham qu'a dit, que bon quoi c'est celle bagaille j'ai pété dit. Oui, Dieu se pouvoir lui-même. Ouais, lui-même. Dieu se pouvoir lui-même. Il n'a pas dit Dieu pouvoir, mais dit Dieu se pouvoir lui-même. Oui. Ça n'a sens, mes frères. Et nous, que des fois, bon Dieu peut voir nous en côté, il peut aller nous aller. Exactement. Et il peut même aboutir jusqu'au bout. Mais il peut regarder, et puis mentalité, si nous avons obéi, et puis là, il a tiré un bagage en disant nous. Parce qu'en disant marche là, nous aussi, il a transformé grâce. Mais je dis ça, absolument. Et je l'ai dit tout le monde qui est dans l'épreuve, qui est dans le cause. C'est peut-être une maladie qui déclare instantanément. Et puis, je dis ça, ça n'a pas de guérison. C'est peut-être où qu'a vivre en vie de famille et puis brusquement ma ou qu'a décidé il qu'a quitté ou qu'a parti puis un jeune monde ou bien madame ou qu'a quitté ou bien brusquement anti jeune ou ben éducation dépenser l'argent puis prend tout diplôme puis ni et puis qu'a doua chimé moi c'est la ria moi parler en parler en patron embaucher moi l'être propre patron moi Macaïvon Zeb, oui, qui a dit qu'il fait l'argent facile. Mais oui, c'est ça. Et donc, ce sont ces épreuves qui dans la vie qui attendent nous. Mais, on va rappeler tout le monde que jamais, au grand jamais, bon Dieu, pas jamais laisser nous seuls de l'opposé. On oublie Jean 8, verset 56. Alors, Jean 8, 56, il a dit, ou Jésus a dit, Abraham, votre père, a tressailli en voyant mon jour. Mais déclaration, j'ai dit, c'est une déclaration qui est extraordinaire. Maintenant, Abraham a dit, Dieu se pouvoira lui-même dans l'Holocauste. Et Jésus a renchéri en laissant, puis rappelé fois Abraham, les contemporains, puisque tout le monde a dit que, aïe, autant parler d'Abraham, Abraham fait plus, mais où Jésus, qu'est-ce qu'on fait? Ou pas faire rien? Ou pas ni 50 ans, on a dit, Abraham, et vous partez là. Et alors Jésus a dit, il tressaillit de joie. Quelle relation qu'a fait, puis expérience Abraham, là, qui est arrivé à Montmorija, et puis l'expérience et bon Dieu, là, il est arrivé à Golgotha. Ah, mais c'est pareil. Mais c'est pareil. Et c'est pour ça que nous lisons. Maintenant, je vais tirer le chapeau, moi, ben, mon nom qui fait ces réflexions-là. Il voyait nous d'abord à Esaïe 53. Ouais. Esaïe 53, où les serviteurs souffrent, bon Dieu, car ouais.
Il a prié à l'Éternel de le briser par la souffrance. Mm-hmm. Et des fois, il faut accepter que bon Dieu brise nous. Rappelez-vous, hein, Jacob, maintenant, non, c'était l'usurpateur, le voleur. Mm-hmm. Bon Dieu changeait, non, mais non, il changeait après que bon Dieu brise. Ouais, ouais. Il frappait à la hanche, il brisait ça, il dénaturait ça, il marchait mm-hmm. boiteux. Hein. Ouais, donc, il faut accepter que bon Dieu brise nous. Et c'est là nous avons mm-hmm. que Douléa et Abraham, Moussantia, c'est pour vous faire réfléchir à ce douleur bon Dieu ressenti le regard à la Golgotha. Mais tout ça, c'est par amour pour nous. Et nous avons dit bon Dieu. Sans trahir lui-même. Merci. Merci. Et puis, notre bagaille encore, c'est que ça a fait nous comprendre que véritablement, Abraham obéit parce qu'il était connu de bon Dieu. Oui. C'était l'ami de bon Dieu. Oui. Alors, nous avons que Israël vini. Et un peuple qui était vraiment dur d'oreille, ah oui. Téti, qu'on a mis les nez blancs. Ah, oui. Et là, nous avons vu que bon Dieu a mon autre histoire. mais bon Dieu extraordinaire, grâce à bon Dieu extraordinaire. Alors, est-ce que c'est une histoire, en parabole qu'il a, ou c'est une histoire vraie? Moi-même, mon cadeau, là, moi, commencé à découvrir la Bible, moi, commencé à étudier la Bible, là, moi, il va oser. Je dis, non, ça n'est pas possible. Ça, c'est une histoire. Ça, c'est une image. Bon Dieu, qui a pu montrer l'infidélité. Maintenant, je étudie, je me dis, bon Dieu, ben, où ça va être qui veut être vrai? C'est une vérité qu'il a, c'est un vrai qu'il a. Maintenant, et bon Dieu, qui a demandé, maintenant, dit, recueillir madame Lee qui tombait dans l'adultère, dans l'infidélité, et puis qui fait des enfants de la prostitution. Alors, où savent? Ils soient là, et je dis, bien fait, dit là, dans la mesure que. Le plus souvent, nous pas qu'à comprendre l'énormité de l'adultère. Mais bon Dieu, qu'à prendre histoire à la osée oui. pour montrer expérience peuplée qu'a oui. fait dans l'adultère, dans la prostitution spirituelle. Infidélité et puis oui. des dieux étrangers, des Baal. Alors, on nous lit des passages quand même dans Osée. Osée 2, verset 2 à 3. Osée 2, verset 2 à 3. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront et se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée des Israël. Dites à vos frères admis et à vos sœurs, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme. Et je ne suis point son mari, qu'elle ôte de la face de ses prostitutions, de ses reins, ses adultères, sinon je la dépouillerai à nu, je la mets comme au jour de sa naissance, je la rends semblable à un désert, à une terre aride, je la ferai mourir de soif, et je n'aurai point pitié de ses enfants, car ce sont des enfants de la prostitution, leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai après mes amants, qui me donnent mon pain, mon eau, ma laine, mon lin, mon huile, ma boisson. C'est pourquoi, voici, je vais fermer son chemin avec des épines, il avait un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Voilà oui. la conduite, oui. pas de bon Dieu. Oui, alors on lit verset. On lit jusqu'au verset 7. 7, on lit verset 8, 9 et 10. Oui, on lit 8. Oui. Alors on lit 9. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai, je retournerai vers mon premier mari. Alors, j'étais plus heureuse que maintenant. Elle n'a verset 10, elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou, l'huile, et l'a consacré au service de Baal, l'argent, l'or, que je lui prodiguais. Oui. Alors, donc, assez souvent, le bon Dieu qui a enseigné nous de façon à ce que nous ramenons nous à la voie, nous avons posé une question, mais est-ce que c'est vraiment ce bon Dieu qui a appelé nous? Nous n'y un problème à reconnaître l'action bon Dieu en dit dans nous. Et c'est exactement ça qui veut le faire. Et c'est surtout si et nous croyons que bon Dieu n'a pas qu'à l'encens nous. C'est ça. Mais la direction qui a bah nous, c'est pas la direction qui a nous. Oui, assez souvent c'est cela. C'est cela. Mais il faut reconnaître qu'à un moment là, nous empêtrer dans le boubé. Mais grâce à bon Dieu qui a poursuivi nous pour ramener nous. Donc, Adam Osée, nous croyons que bon Dieu qui a rappelé, mon faiseur de bien, mon toujours rester fidèle, égal à même, en même temps notre camarade. Alors, donc, en tant qu'église, nous n'y à prendre des précautions. Assez souvent, nous cachons, oui.
des idoles en dedans nous. Mm-hmm. Nous avons chéri des idoles. Nous avons embarrassé comme nous et puis en l'eau, idole, en l'eau conception. Nous ni aussi la culture qui a généré en l'eau contrefaçon en dedans nous et puis nous l'essayer faire en alliage et puis le texte, la vérité, pour nous essayer de sentir comme nous bien. Que bon Dieu ramène nous séparer. Oui, surtout, il y a spiritualisé en l'eau. Et bagage des jours, et des chrétiens qui entrent en ça. Et facilement, méditation transcendantale, horoscope modifié, et toutes ces bagages-là, alors tandis que ces gens-là font alliance, et puis bon Dieu. Mais c'est justement. Mais en disant toutes ces prostitutions-là, ces adultères-là, et nous, ni chrétiens qui ont allé garder des affaires. Mais oui, c'est ça. Qui ont des affaires. C'est ça, ils ont fini en secondement, par cela. Et donc ça nous peut dire là, ça veut dire que bon Dieu, quand on lit son. Et là, il prend l'exemple Osée, où Madame Lian allait faire adultère, tout cela. Ouais. Et Osée, qui a symbolisé bon Dieu, qui a accepté Madame Lian, viré au tigne. Ouais. Et ça important, c'est l'image de la bon Dieu qui a pris, Billy. Et si on peut nous exactement, mais mes enfants, vous avez fait ça qui n'est pas bon, qu'on disait que vous avez brûlé tout le zoo qui était né. Et bien, à présent, Lian viré, bon Dieu qui a. Ressouveillez les bras ouverts. Mais oui. Les bras ouverts. Mais ça, c'est une métaphore qui est extraordinaire. Hein? Nous croyons que bon Dieu a accueilli. Et c'est même travail que nous avons pour nous faire. Soit dans le foyer, nous. Hein? Et puis, famille, nous. Et puis, un membre de l'église là aussi, qui peut-être, nous dit toi, nous avons fait cela à la ressemblance du bon Dieu. Mais c'est une expérience qui est extraordinairement. Et c'est grâce à l'Esprit Saint. Nous demandons l'Esprit Saint. Maintenant, pour éclairer nous, pour guider nous, de telle sorte que nous ne pas rester dans la rancune, nous ne pas rester dans l'égoïsme, nous ne pas rester dans la séparation, mais que nous brisons les carcans ouais. Pour trouver et puis, l'unité. Et puis, n'est-ce pas, au bas monde qui tombe dans le péché, dans la prostitution, etc., pour montrer que bon Dieu là qu'à attendre en repentance retour oui, vers lui mais et puis avancer continuer à avancer. Isaïe 56 hein, ouais. Verset 6 il a dit maintenant que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées qu'il retourne à l'Éternel. Nous qu'a dit méchant hein, c'est pas mon nom qui vit dans le monde. Voilà, voilà, c'est voilà. Méchant c'est lui qui connaît bon Dieu et puis il sépare quand il dit bon Dieu mais qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. En nous virant le Job, survive grâce à l'adoration. Et nous allons lire Job, chapitre 1, verset jusqu'à 6. Jusqu'à 6. Et puis nous allons lire Job 2. Ouais. Job 1er. Ouais, ouais. Job 1er, nous allons lire 6. Donc nous savons que nous devons lire. Hein. Première partie, a, Job s'en nomme intègre. En verset 6, il a dit, les fils de Dieu vont un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, mais d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit, est-ce d'une manière désintéressée que l'homme craint Dieu, que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison, tout ce qu'il lui a, tu as béni l'œuvre de ses mains, ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main sur lui, touche-le. Et touche à tout ce qui l'appartient, et je suis sûr, il va te maudire en face. Et l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui est à lui, qui t'appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Satan se retira devant la face de l'Éternel. Voilà donc, mis en histoire. Alors là, nous regardons et tribulation, Job passé. Mais pas qu'il y a un monde sur la terre, chrétien ou pas, qui a passé tribulation qu'on nomme ta là. Et mais sans même en passant, si je me trompe comme moi, je vais dire tellement grâce que toutes ces bêtes là passé dans l'aps d'un jour. Oui. Épreuve après épreuve. Oui, absolument. Puisque texte là, Kabanou de Wepe, oui, oui, Kabanou de Wepe, tandis que serviteur t'a là, t'es qu'à parler, on l'autre qui arrive, etc. etc. Il parlait encore. Toutes ces barrières là venues, mais ça qui est encore plus raide encore, hein, c'est à partir du moment où la chair Job touchait. Oui. Ouais. La chair touchée, il était en période de temps. Alors. Et tu as quelqu'un souffre. Satan t'est trompé, quoi, en les gens. Ah oui, absolument. Parce que il sait bien, il y a un lot chrétien.
qui a servi bon Dieu par intérêt. Exactement. Puisque yo béni, yo a servi bon Dieu, mais en foi, ces bénédictions là disparaît ou bien yo entre en difficulté, yo a renié bon Dieu. Oui, oui, ça a fait. Ça a fait. Alors, qui ça qui fait Job, Chebi fort, et puis continuer, puisque c'est une question d'adoration, continuer à adorer bon Dieu, même si il pas resté, pas même la peau, ses os, il resté pas au bouc. Oui, mais Job a des déclarations, Job fait, Job dit, mais ça vrai, lâche moi qu'a consumé, ça vrai, m'a pas arrêté force, ça vrai, douleur arrête, mais moi, ça vrai que redonter moi vivant. Et moi, ça, il m'a élevé à sous la terre et il m'a venu pour faire moi justice. Même si je n'ai pas ni la chair en les jours, moi. C'est moi qui oui. Là, il a fini par Job, toutes ces mauvaises nouvelles-là. Verset 21, il a dit, alors Job se leva. Oui. Moi, je ne comprends pas, puisque si c'est moi, en seule nouvelle-là, moi, j'ai assis ou bien avant, mon abord, les gars, j'ai assis, j'ai tout bout assis. Assis. Mais Job, levé, verset 20. Oui. Il déchire le manteau. Il brise la tête. Il prend un azoué. Là, il prend un azoué. Si maintenant, il a marqué, ah, Job, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Mais c'est tout en maîtrise. C'est pour montrer que des fois, nous croyons la Bible, nous croyons tellement vide. Mais nous ne pouvons pas voir que la Bible en maîtrise qui a fait là. Alors que Job, pointant, il a rasé, il est tombé à terre et puis il a adoré. Oui. Puis se jetant à terre, il se prosterna. Ouais. Et puis qui s'est déclaré, verset 21, verset 22, c'est extraordinaire. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. C'est un échec total, bah l'ennemi. Bah ça. Oui, oui, un échec total. Non, pas quoi, l'homme qui te dit, mais tu n'as pas sans savon, bah bon Dieu. Mais moi, quoi, cette histoire-là, c'est pour nous. C'est pour nous qui arrivons à la fin des temps. Ni tellement de bagailles qu'a fait. Nous avons subi tellement de bagailles pour un jour nous arriver, dit comme quoi, l'Éternel bat, l'Éternel lui prend, que le nom de l'Éternel soit béni. Et là, nous avons dit, il ne faut pas nous dire, pour nous faire mon plaisir, c'est mais ça. Vraiment pour nous faire vivre conviction, la conviction t'as là, au sein du monde. Et bien, c'est une expérience extraordinaire, hein, ça chaleur à l'extrémité chaud, mais bon Dieu, papa de Paris. Bon Dieu, papa de Paris. Et en tout ça, et Job a montré que bon Dieu a resté totalement souverain. Souverain. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté. Oui. Troisièmement, Job a conclu en réaffirmant la foi dans la justice de Dieu. Ça extraordinaire. Oui. Le nom du Seigneur soit béni. Alors que Satan est venu et te fait maudit, il bénit à travers les épreuves. Ça extraordinaire. Mais si nous restons là, nous allons passer tout le temps en les hommes. Mais on nous avance. Si vous vivez grâce à l'espérance. Alors, en qui ça, l'espérance a fait nous survivre? En qui ça? En qui ça, l'espérance qu'a fait nous survivre? Nous allons lire le texte là, 2 Corinthiens, parce que c'est un texte si bel. Oui, oui. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 1 à 8. Et pourquoi il dit nous, qui ça, Paul, qui a dit au sujet des épreuves? Oui. 2 Corinthiens 9. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Car je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie auprès de vous, des Macédonins, en déclarant que la Caïm est prête même à donner. C'est bien cela, hein? On est à 8. Oui. Hein? Ok. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là. Et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas aussi que les Macédoniens m'accompagnent et ne trouvent pas prêts. Que cette assurance tourne à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et de s'occuper de votre libéralité déjà promise afin que je sois prêt de manière à être une libéralité, non un acte d'avarice. Sachez bien que celui qui s'aime peu moissonnera peu, et celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment. Chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse, sans crainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
et Dieu peut vous combler de toutes sortes de biens. Verset 8. 8 de grâce, afin qu'en possédant en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore d'abondance pour toute bonne œuvre. Oui, alors là, nous regardons, nous croyons qu'en tant qu'apôtre, et bon Dieu choisit Paul. Oui. Il choisit Paul, et Paul endurait la plupart des temps et des épreuves terribles. Hein? Et dit c'est mon nom. Et là, nous lisons par exemple la liste d'épreuves hein, dans 2 Corinthiens 11. Mmh. À partir du verset 23, on nous lit 2 Corinthiens 11, rapidement. Verset 23, il a dit. Alors, tous sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par mes travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma maison, en péril de la part des païens, en péril des villes, en péril dans le désert, en péril sur les mers, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Et sans parler d'autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent les églises. Qui est faible, que je sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle? Voilà. S'il faut me glorifier, c'est de ma faiblesse, car je me goûte bien. Là, nous croyons qu'à travers nous, et Dieu a venu en aide à tout le monde qui est dans la souffrance. Absolument. Et même si parfois nous savons que nous sommes morts parce que nous engagés par bon Dieu, absolument. L'espérance là nous n'y a qu'à faire nous survivre en sachant que bon Dieu n'est capacité bon Dieu n'est capacité ressusciter nous. Ressusciter, dit, relever nous, dit, accompagner nous. Nous. Et s'il n'a pas épargné Jésus à la souffrance, maintenant, il faut que nous savons que cause est là, nous toujours qu'à répéter, il faut que nous passer en didon. Mais bon Dieu est là pour supporter nous. Nous pouvons même être désespérés dans notre vie et voire être tués. Mais ne craignons rien. Dieu nous apprend à compter sur lui. Nous pouvons lui faire confiance car notre Dieu ressuscite les morts. Et très bien. Et Liban, nous, et avant de nous faire dernier point, hein, Hébreux 4:15 et puis verset 16 là aussi. Ouais, car bon nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à notre faiblesse. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Bel passage. C'est important pour nous savoir que nous sommes en secours là, qui a venu du bon Dieu. Et d'ailleurs, que Jésus a dit nous comme ça, que, ben, il subit les pires atrocités. Absolument. Mais la victoire de Christ, c'est victoire de chacun de nous. Que personne ne pas découragé. Maman, un autre Dieu fort. Nous sommes en Jésus qui est tout puissant et puis nous. Nous sommes en Père éternel qui est là. Et nous sommes en consolateur pour équiper nous et puis avancer. On nous fait un dernier point. Ésaïe 43, verset 1 à 7. Et nous croyons, qui ça qui passe là? Qui belle promesse, bon Dieu, déclare. Ésaïe 43, 1 à 7. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. La flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime,
Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, je te rassemblerai de l'Occident. Je dis au septentrion, donne, et au milieu, au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Je vous dis amen, ainsi soit-il. Amen, ainsi soit-il. Nous savons que passage ça là, il y a un passage le plus bel dans les Écritures. Ouais. Ah, nous si. Savons que ce n'est pas parole en bouche qui là, oui. Ah, si. Puisque ah. L'élément d'Israël, rivé devant la mer, est-ce que mon Dieu n'a pas fait traverser à pied sec? À pied sec. Il t'a dit qu'il est là. Là où il prend les compagnons à l'époque de Daniel. Ouais, les trois compagnons. Et puis, il a dit qu'il est là. Papa, mon Dieu, climatisé pour est-ce qu'il n'est pas tenu un fils de l'homme de bout en bout de là? Il dit qu'il est là. Ou sauf des fois, nous sommes libres là, mais nous pas qu'à approprier pour nous dire, mais ça c'est vérité, ça fondamental. Alors si mon Dieu fait ça, bah, c'est mon temps là. Nous qui disons, bon Dieu, il fait ça bah, nous aussi. Oui. Nous vivons dans le temps, et il y a eu des épreuves terribles qui a frappé la terre, qui a frappé les enfants de Dieu. Oui. Mais c'est à présent pour nous faire bonne provision. Merci. Pour ne pas perdre foi. Mais exactement. Et puis, je vais rappeler deux choses. Oui, rapidement, choses. Finir. Je vais rappeler deux choses rapidement. Matthieu 28, 20, Jésus dit, je suis avec vous. Tous les jours. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. 1 Corinthiens 10, 13 dit, aucune tentation ne vous est venue qui est sur vous. Et Dieu qui est fidèle ne permettra jamais que vous soyez tenté au-delà, mais avec les points. Il va faire le moyen pour que vous puissiez en sortir afin qu'on baille gloire. Oui. Pas dit bon Dieu par là, ou qui a souffert. Mais absolument. Il a épou. Et qui a été traversé, fournaise ta là, glou ta là, tempête ta là, épreuve ta là. Gassi, on prie, s'il vous plaît. Oh, papa Dieu, on nous a remercié. Nous a remercié vraiment pour tout ta là, ou porter ben nous de la connaissance, afin que nous mirions à dans l'expérience nous et puis pour nous toujours savoir que ou à côté nous, ou fait la promesse, et promesse ou qu'à demeure fidèle. Ou fait nous considérer le passé, ça ou fait bapé pour. Ça on fait pour tout homme et toute femme qui craint nous, qui marche et puis jamais, bon Dieu, jamais, au grand jamais, il n'y a pas désespéré et puis il n'y a pas péri. Mon tour montre là et puis et vous nous l'exemple, Jésus. Souple, bon Dieu, nous commandons. Pardonnez-nous d'incrédulité, nous dit foi nous. Aidez-nous à abandonner les idoles qui font nous vivre en vie de prostitution. Mais nous accepter Jésus et à marcher et puis oh, il a venu là même, bon Dieu. Aidez-nous. À être prêt pour l'air qui est venu pour nous sanir la joie, d'y monter et puis vivre dans les âges sans fin de l'éternité. Bénis-nous, souple-nous, commandez-vous en nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.